Salut à tous, c'est The Supply Cartel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui les gars, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve encore une fois pour un unboxing. Et on se retrouve pour déballer une paire, pas une paire nulle hein, on va se le cacher. Aujourd'hui les gars, on va déballer une paire, c'est la Diadora X A Few. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une paire qui a été faite pour les sneakerheads, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même une vidéo qui a été faite dessus, comme quoi la vie de la paire, elle a été faite dans des labos et tout. Enfin bref, c'était assez drôle. Now we are coming to our finished product, the highly addictive. It is special in every kind of way, and our research shows that this shoe is a sneaker addiction in its purest form. Its packaging comes with a reseller protection, so the user can be sure that this shoe hasn't been used before. We are very proud and confident that this will be the solution. Bis bald. La paire, elle se présente sous une protection anti-reseller, donc un revendeur pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un reseller. Elle se présente dans une boîte un peu comme des médicaments pour faire passer le message comme quoi elle est hautement addictive. Un peu comme si c'était une drogue en fait. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des petites instructions et tout sur la boîte. Mais bon, je vais vous montrer ça de plus près. Et je suis assez fier de vous déballer cette paire aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est pas une paire forcément une grosse paire. Enfin je veux dire, dans le sens, c'est pas une paire de Adidas, de Yeezy, enfin des trucs comme ça. Donc il s'agit d'une collaboration entre A Few et Diadora. A Few qui est un magasin, un store allemand. C'est pour ça que la paire n'a été produite qu'en Europe, ce qui est déjà vraiment super cool, avec des pays locaux, donc le magasin allemand et la marque italienne, ce qui rend la paire encore plus locale et appréciable, je trouve. Et franchement, elle a des couleurs très sympas, des couleurs pastel qui vont bien rendre pour l'été, et je trouve que c'est vraiment cool de la sortir à cette période de l'année, étant donné que l'été approche et que les couleurs sont à la fois originales et en même temps estivales. Donc voilà, après vous avoir fait mon petit speech, je pense qu'on peut passer à la review de la paire et à l'unboxing. C'est parti. Donc voilà les gars, j'espère que mes explications auront été claires, j'espère que je me suis fait comprendre et maintenant on va passer à un moment vraiment incroyable pour moi les gars. Parce que là, je vais tout simplement enlever la protection de reseller qui se situe juste en dessous, je sais pas si vous voyez, hop. Voilà les petits traits juste ici. Donc une fois que ça s'est enlevé, la paire ne peut techniquement plus se revendre selon eux. Alors je sais vraiment pas comment les prendre parce qu'il n'y a pas de poignée, enfin de trucs pour l'ouvrir, du coup je pense qu'il faut percer un peu, on va dire, dans un des côtés. 2 hours later. Hop, voilà. Ah ouais, c'est une matière un peu plastique, c'est très compliqué à enlever. Hop. Je vais enlever le haut. Alors, ensuite on va faire ça ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Waouh. Waouh les gars. On enlève la protection du reseller. Ça fait du bruit. Voilà. On a la Diadora X A Few, les gars. Bref, je vais vous faire un plan bien détaillé de cette paire. Et franchement, elle est magnifique. Il y a vraiment une qualité. Enfin, on voit qu'elle a pas été faite à l'arrache, quoi. C'est vraiment une paire magnifique, les gars. Waouh. Elle, je vais vraiment la porter une fois par semaine, je pense.
Allez, c'est parti, je vous montre tout ça avec une petite musique et tout, avec des plans stylés.